Je me réjouis avec l'ensemble des députés démocrates que nous ouvrions aujourd'hui près de 15 jours de débats consacrés à la défense, à nos armées et à travers elles, à celles et ceux qui, chaque jour, portent haut et fort les couleurs de notre pays pour assurer notre protection. Je voudrais également avoir une pensée pour les Ukrainiens qui se battent toujours pour leur pays, pour leur liberté et pour défendre les valeurs qui nous sont chères. Comme l'ont récemment démontré d'ailleurs les annonces du président de la République, la France est à leur côté et les soutiendra tant que nécessaire. L'examen en commission est venu rappeler utilement que le budget des armées ne sera pas imputé par l'aide que nous continuerons d'apporter aux Ukrainiens. Ainsi, malgré l'importance de ce soutien, l'ambition de moderniser nos armées, que nous portons à vos côtés, Monsieur le Ministre, reste intacte avec ce budget de 413 milliards d'euros. Et chers collègues, il nous faut penser, pour une fois, au temps long. Nous sommes tous conscients que cet argent représente un effort important pour la nation. Nous sommes aussi conscients que cette somme a pu attirer de nombreuses convoitises quant à son utilisation. Aussi, personne ne s'étonne de voir ceux qui aspirent à gouverner dans quelques années proposer d'avancer dès aujourd'hui l'ensemble des investissements sans se soucier du poids pour notre dépense publique, mais surtout sans se soucier de l'adaptation à notre modèle d'armée. L'imparable démonstration de leurs illusions a été faite par le ministre en commission avec un mot d'ordre qui sera celui de mon groupe pour les jours à venir sur ce texte, la cohérence. Car c'est en toute cohérence qu'il a d'abord été demandé aux armées leurs besoins pour construire au mieux un budget ambitieux qui sera porté à près de 69 milliards d'euros par an d'ici 2030, au plus haut depuis trois décennies. C'est en cohérence avec notre stratégie à long terme, portée depuis 60 ans, que nous continuons d'investir dans notre dissuasion, garante de notre indépendance et de la place de la France dans le monde. C'est encore en cohérence avec le modèle d'armée que nous souhaitons léguer que nous axons les investissements vers les enjeux essentiels des conflits de haute intensité à venir, le spatial, le cyber, les drones, mais aussi plus simplement les munitions, et le maintien en condition opérationnelle. C'est enfin en cohérence avec l'objectif de demeurer un partenaire fidèle que nous garantissons la place de la France comme nation cadre de l'OTAN, tout en renforçant l'autonomie stratégique européenne au travers de partenariats solides et mutuellement bénéfiques tels que le SCAF, le MGCS et de nombreuses autres coopérations européennes. Je formule aussi le vœu, au nom des députés démocrates, que ces coopérations européennes continuent à se développer tant elles renforcent l'indépendance de notre continent et à travers lui, celui de la France. Je le sais, nos débats reviendront sur l'enjeu de ces alliances. Ceux qui pensent renforcer la France tout en la sortant des partenariats qui font sa force et maintiennent son influence se retrouveront face à l'évidence de leurs contradictions. On ne peut espérer demeurer une puissance de premier rang sans pouvoir compter sur de fidèles alliés. Au-delà de ces questions matérielles et stratégiques, cette LPM porte une ambition nouvelle pour renforcer le lien armée-nation, élément central auquel mon groupe portera une attention particulière. Nous devons collectivement encourager nos concitoyens à retrouver le sens de l'engagement pour leur pays, que ce soit au niveau de nos réserves ou pour les plus jeunes avec le SNU, Madame la Secrétaire d'État. La compréhension des enjeux de notre sécurité, mais surtout des valeurs qui nous unissent, est une étape essentielle pour bâtir une nation forte et résiliente face aux crises. Il y a enfin la reconnaissance. La reconnaissance de celles et ceux qui consacrent leur vie à protéger notre pays. Leur engagement doit évidemment continuer à être valorisé et nous y serons très vigilants dans l'application de cette loi. Mais aussi la reconnaissance de celles et ceux qui partagent la vie de ces militaires. Ils vivent eux aussi au rythme de l'armée, parfois au détriment du leur. Nous continuerons de travailler pour faire reconnaître ce qui doit être vu comme leur engagement pour la nation. Je tiens d'ailleurs à saluer le plan blessé, présenté récemment par Patricia Mirales, qui prend en compte toutes les situations et leur implication au quotidien pour ces blessés, mais aussi pour leurs familles. Ainsi, notre Assemblée devra rester attentive aux avancées promues dans le texte et nous nous réjouissons des pouvoirs de contrôle dont le Parlement disposera pour effectuer ce travail. Aussi, si nous souhaitons apporter encore quelques améliorations à ce texte au travers de nos différents amendements, le groupe démocrate soutiendra bien évidemment cette LPM historique. Je vous remercie.